Gruesome bets, 11,000. Watson calls, we go to the river. Which is the case ace quads now for Gruesome. Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, le best-of d'un joueur allemand, mais d'un joueur allemand extrêmement talentueux, Philippe Gruesome. Talentueux, compétent, successful. Il a à peu près toutes les qualités. Et généreux, généreux parce que c'était quelqu'un qui a beaucoup donné aussi pour des associations caritatives. Philippe Gruesome. Là, il est en grand danger hein, parce qu'il a fait un jeu très fort. Il a fait une très très grosse combinaison, top to pair, mais face à Gerbi, à Barcelone, on est en 2012. Il est tombé contre un joueur qui a trouvé la quinte et qui check raise complètement premier degré là avec sa quinte. On call et all-in de Gerbi. Qui a l'air d'être un joueur un petit peu fantasque vu la manière dont il a rangé ses jetons. On couvre Gruesome. Gruesome qui est un joueur béni très agressif, mais qui est aussi capable de faire des folds monstrueux. On lui montre As-Valet et voilà la petite danse de la joie. Ouais, il aurait pu le laisser dans le doute hein, à la place Gerbi. Mais il a été sympa, on a montré le jeu. Là, on retrouve encore une belle table. Vicky Koren. On voit Ole Chemion. À cette table, on est sur l'EPT Londres saison 10 pardon, en 2013. Ouais, là, on se fait sur-relancer. On est en début de tournoi. On n'a pas un très gros tapis hein, chez Phil. Mais on a une main qui, quoi qu'il arrive, doit mettre un maximum de pression. On est tombé sur deux valets chez Vicky Koren. On rappelle juste pour information les amis, Philippe Gruesome, 11 millions de dollars de gains. C'est monstrueux. Sachant que son plus gros gain est 1,3 million. Donc c'est pour vous dire quand même qu'on a grind sévère sur les plus gros tournois de la planète. Joueur de high roller, de super high roller. Enfin, c'est un joueur qui est extraordinaire. Respecté de tous et qui en plus sait gagner ses coin flips. Ouais. Là, c'est ce qu'il est en train de faire contre Vicky Koren. Il doit éviter les deux derniers valets du paquet. Et boum! On double. Lui qui est arrivé sur la scène internationale au début des années 2010. Scully win. Nous sommes cette fois-ci, nous ne sommes plus sur le circuit de l'European Poker Tour, nous sommes sur l'émission de télévision Shark Cage. Un sit and go avec 1 million de dollars à la gagne. Alors ce n'est pas la finale là, c'est une phase qualificative. Et Scully Win qui va 4 bet As-Roi dépareillé sur le As-Roi suité de Phil Gruesome. Alors normalement il est légèrement voilà, favori, il y a de grandes chances de partage bien évidemment. Moi j'ai deux tirages couleurs, toi t'en as qu'un seul. Blague des années 2000, mais que Scotty a permis à toutes les générations d'après d'utiliser pour faire plaisir aux copains. On l'a toute faite celle-là, hein, je pense, vraiment. C'était une de tes préférées, You, d'ailleurs. Oui, ouais. On va pas se cacher. Complètement plagiat, d'ailleurs. Hein. Un peu en mode copy comics là, You, sur les black poker. Sur copy comics. On va commencer à trembler parce que maintenant il y a deux carreaux sur le board. C'est ce que voulait éviter à tout prix Scotty Nguyen. Oh, c'est une ambiance très cool. You, s'il le prend sur Shark Edge, c'est pas la pire. Mieux vaut la manger sur Shark Edge. Encore, c'est vrai que c'est 1 million de dollars à la gagne. T'as pas tort. Ouais. Oh, oh là là. Ça fait mal. Mais Scotty, toujours le sourire. Et au-dessus de ça, Scotty. Scotty Dozando, pour ceux qui ont la ref. Allez, on est parti, les amis, cette fois-ci du côté du PCA 2014 avec le grand Guy the Freedom. Guy la liberté. Oui, le patron du Cirque du Soleil.
qui est un amateur de gros tournois. Alors en général, on joue pas le main event. Hein. Quand il y a Guy la Liberté, c'est qu'on est sur un high roller, voire un super high roller. Même les high rollers sont un petit peu petits hein, pour le multimilliardaire Guy, mais qui régale tout le monde parce qu'il est ultra généreux. C'est l'enfant du soleil, Guy. Hein. C'est les cités d'or. Là, il est très généreux parce que vous le voyez, un 6% de chance de gagner ce coup-là. Il Monsieur pourrait, One Drop. Hein. Pourrait partager si ça doublait. Si le 3 ou le 7 doublait. Il continue à coller. Ouais, il va aller. Bon, c'est juste magique, hein, quand même, pour Gruissen. Sur ce petit. Sur ce. Cette compilation. L'allemand au bonheur a rappelé You dans, en termes de. Vas-y, hein, si jamais le play de Guy qui attaque, c'est ça? Ouais, on a attaqué Mipo, un tout petit peu moins de Mipo. Phil qui est un petit peu embêté parce qu'il se dit bon, je bats peut-être plus beaucoup de mains de value là. Je suis battu par As-3, je suis battu par deux cœurs, je suis battu par Dame 10. Guy peut un petit peu tout avoir. Ouais, un roi va jamais value ici, un as moins bon ne va jamais value ici. Normalement. Ouais, donc As-Dame devrait sûrement être en défense. Voilà. On va cool comme on est content de voir que Guy s'est un petit peu cassé les dents. Ouais. According to my maths, Guy could afford to reload over 2500 times today. Dur pour Guy, ouais. Ouais. Qui le prend plein badin. Et dernière main, les amis, on sera du côté du PCA, mais l'année d'avant, en 2013. Et juste pour information, en termes de palmarès, pour l'ami Philippe, un bracelet, mais un bracelet World Series du côté de l'Asie-Pacifique. Et beaucoup de victoires, forcément, sur des events EPT, mais pas de main event. Beaucoup de high roller, beaucoup de gros tournois annexes, gros buy-in. Alors, on termine par un feu d'artifice. Hein. Ouais. Un slow play au bouton avec paire d'as chez Philippe Wissem contre les deux rois de Mike Watson, l'un des tout meilleurs joueurs de la planète, le Canadien. Celui qu'on appelle élémentaire, hein, en règle générale. Bien sûr, ah ouais. Où est Ma ? On continue à miser chez Watson. En value, on pense qu'on a la meilleure main très souvent et on va se faire simplement payer. Ils sont très profonds. Là, en plus, on nous montre des mains où il est quand même un petit peu au bar à chaque fois, tranquillement. Là, Philippe, ses cocktails en train de siroter sur le bord d'une plage avec un soleil couchant magnifique. Je vois bien l'image. Surtout quand t'as full aux as par les 9 et que ton adversaire vient de checker. Là, maintenant, c'est aussi l'apanage des grands joueurs. Comment va-t-on réussir à rentabiliser son full qui est une main très forte? Ben, à la place de élémentaire Watson, là, vous êtes élémentaire, je call, j'ai pareil, si tu veux. Ah, ça change un petit peu la donne. Ah, ça change complètement la donne. Ça limite les combinaisons où Phil Grissem aura un as dans sa main. Et puis Phil fait sa tête du mec qui a carré, hein, très clairement. On ne peut rien lire sur son visage. Mais j'ai carré. Alors, on peut plus miser un 6, par exemple, ça ne sert à rien. Bah si, on pourrait, mais ça serait un bluff. Ça serait un bluff, voilà. C'est. Oh, faudrait pas quand même que Watson. On peut pas faire de bêtises. Là, c'est un call avec son kicker, quoi. Ça peut être que ça. J'ai deux paires à 9 kicker roi. J'ai deux paires à 3, pardon. Ouais, excusez-moi. Il espère que ce soit peut-être ça, la main de Phil Grissem. J'ai juste carré. Ouais. Il battait quand même pas mal, il battait, ouais. Quelques jeux quand même, l'ami Watson. Les amis, on n'oublie pas bien sûr de s'abonner à la chaîne. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. A ciao, bye bye. Salut, salut.